Et bonjour, on est samedi matin, nouvelle épreuve, première étape là du coup aujourd'hui, première étape qui est du coup le joute des teams, événement qu'on organise en collaboration avec notre cher Antoine et notre cher Vincent Bessaray, que vous connaissez peut-être de tous les streams de la Bordure TV. Et les anciens streams, alors pour ceux qui étaient plutôt sur ma chaîne, du coup, vous avez déjà vu participer à la Virtual Road Battle. Le Virtual Road Battle is coming. Et aussi, ils organisent aussi et ils diffusent aussi la coupe FSGT. Donc, événement de team qui a lieu du coup dans... Attendez, c'est écrit tout petit, donc... Parce que... Hop. 17 minutes. Et vous avez vu aussi que... J'ai maintenant le maillot. J'ai pris un abonnement ce mois-ci pour soutenir GG, qui a fait beaucoup pour moi d'ailleurs, qui a m'aidé beaucoup à setup les événements. Donc, pour le remercier, hop. Je vais prendre un mois d'abonnement. Ça soutient la plateforme. Et le jour où Indie Vélo devient payant, ça sera moins cher pour moi. C'est win-win. Bonjour aux gens, il est réveillé un petit peu le matin ou le soir pour les Américains. Alors du coup, pour les règles, c'est assez facile. C'est une course par équipe au point. Donc vous allez voir sur le profil, il va y avoir des arches. Et du coup, les arches vertes donnent des points. C'est comme des sprints intermédiaires. Et c'est tout simplement celui qui passe le premier sous l'arche qui ramasse le plus de points, le deuxième un peu moins de points, etc. Les trois premiers de chaque équipe donnent leurs points à l'équipe. Donc à gauche, vous allez voir, ça sera pendant la course, vous le verrez une fois que c'est parti. À gauche, vous allez voir en direct le classement des équipes s'afficher et se mettre à jour à chaque passage d'arche. Les équipes avec... c'est très simple. Vous prenez l'affiliation des gens. Donc, par exemple, si je suis RGT, je vais être mis dans une équipe avec les autres RGT. Et les équipes sont de minimum 2 coureurs. Donc, on n'a pas envie d'avoir des teams de 1, c'est pas l'esprit du tout. Et maximum 12 coureurs. Donc, c'est pas la peine d'arriver à 30 non plus. Et du coup, qu'est-ce qui se passe pour quelqu'un qui a une équipe, ou qui n'a pas d'équipe, mais qui serait tout seul? Et ben, c'est quand même pas possible de participer. C'est juste qu'ils vont être mis au hasard, avec un autre ou des autres coureurs, avec un nom de team random, avec un kit random. Mais c'est pas grave, hein. Et du coup, ils vont eux aussi participer. Et ils vont eux aussi, donc leur team... va gagner des points et vont juste devoir s'entendre avec des collègues de un jour qui connaissent pas forcément. Donc par exemple, si je vais prendre des noms de team française, s'il y a qu'un seul React et un seul FFZ, ils vont perdre leur tag parce qu'ils sont tout seuls au début de la course et ils vont être mis ensemble dans une équipe qui va s'appeler la Super Team. Et ils vont rouler ensemble et ils vont devoir normalement rouler ensemble. Pour le classement général, par contre, on veut pas qu'ils viennent et qu'ils aient l'impression de rouler pour rien. Donc, ce qu'on va faire, c'est que moi, je les connais, les affiliations officielles, parce que je suis organisateur, donc je les vois. Donc, si je vois, par exemple, que la super team, la team random, là, gagne. Dans notre classement général de la saison, il y a 6 épreuves qui vont avoir lieu de cette joute du samedi. S'ils avaient gagné 200 points à tous les deux... Et ben on va donner 100 points à Foudre et 100 points à FFZ. Je sais plus quel nom d'équipe j'avais cité, mais... Ou React et FFZ. En gros, s'il y a un coureur de chaque
qui a participé à la victoire de l'équipe, on donne moitié des points à l'un, moitié des points à l'autre. Donc c'est toujours plus rentable d'être dans une vraie équipe, parce que du coup tes points sont pas divisés par deux. Mais comme ça au moins les gens qui sont venus, qui ont fait l'effort de venir, qui avaient une équipe, au moins ils vont compter vraiment. Leurs points vont être ramenés à leur équipe. Donc attention, si vous êtes tout seul dans votre équipe et que vous êtes assigné à une équipe random, donnez-vous à fond, parce que ça compte. Alors du coup, il y aura 6 épreuves et on va prendre les 4 meilleurs résultats de l'équipe. Alors aujourd'hui, on est en plein dans une course par étape sur Indievélo. Il y a une grosse course par étape qui monopolise à peu près 90% de la plateforme. Donc on se bat un petit peu pour récupérer des gens. Mais à partir de la prochaine session, il y aura beaucoup plus d'équipes. Là comme ça, en jetant un coup d'œil tout à l'heure vite fait, j'ai vu qu'il y avait à peu près... Donc il y a RGT qui est très bien représenté. Et après, il y a 8 équipes qui avaient au moins un coureur. Mais beaucoup d'équipes qui avaient un coureur. Donc on va voir, ça va se peupler un peu au dernier moment. Donc on va voir qui va rester, qui va sauter. Je vais aller sur le Discord voir s'il y a des questions. Je vais aller sur le vocal aussi pour voir s'il y a des questions aussi. Enjoy, d'accord. J'ai pu te rejoindre, mais du coup, tu m'imposes des cibles de puissance. Je pense que je suis sorti du peloton, mais parce que voilà. D'accord. Ok. Moi, j'ai mon collègue qui est resté derrière. C'est dommage qu'il ne se connecte pas sur Discord maintenant. Il verrait tout de suite un peu l'ambiance. Bah ouais, ouais, ouais. Il y a du monde ici, bonjour. Bonjour. Salut Toto. Salut Toto. Allez. Oh, ça se connecte, il y a du monde. Bonjour. Ouais, RGT, c'est pas un problème. C'est les autres équipes où il va falloir voir s'ils arrivent à, à venir à deux. Du coup, tu vas pouvoir nous renseigner, Toto. J'ai pas entendu la question, désolé. Tu vas pouvoir nous renseigner, on te posait la question, c'est des équipes de combien avec 6-6? Alors, du coup, c'est 2 à 12. Donc, RGT n'aura pas de problème ni d'un côté ni de l'autre. Et du coup, pour tous ceux qui sont solo, donc sans équipe, ou qui sont dans une équipe et qui sont mais qui viennent tout seuls, on a fait un système pour qu'ils viennent pas pour rien. Donc, ils vont être pairés avec quelqu'un de manière random, parce que ça sert à rien de faire des équipes de 1, c'est pas trop l'esprit. Et du coup, ils vont devoir, par exemple, on va dire, il y a un React qui vient et un Poudre. Ils vont perdre leur tag officiel, ils vont peut-être être mis ensemble. Ils font la course, et du coup, en fonction pour le classement général de la saison, on va dire, ils gagnent, comme ça c'est plus simple, ils gagnent 200 points. Parce qu'ils font en premier, ils ont 200 points pour l'équipe. Et du coup, on donnera 100 points à React et 100 points à Poudre. On divise par deux, chacun a contribué à moitié, on va dire. Donc vaut mieux quand même être dans une équipe complète comme nous, parce que si tu gagnes 200 points, bah tu divises pas, c'est les points de l'équipe entière, quoi. Automatiquement, effectivement. Mais comme ça, ils viennent pas en se disant, bah je roule pour rien, parce que de toute façon, je roule pour une équipe avec un nom random, et ça comptera pas, quoi. Et quand t'es balancé dans une autre équipe, c'est par niveau ou pas? Bonne question, je ne sais pas. Je sais pas comment la plateforme fait. Je pense que la plateforme essaie d'équilibrer les équipes, quoi. En tout cas, si on est plus que 12, oui, on se fera balancer par niveau, dans le sens où la plateforme garde les meilleurs dans l'équipe officielle. Voilà, donc j'avais bien vu 12. C'était bien 12, ouais. C'est ça. Donc si on est plus que 12 RGT, il va prendre les 12 meilleurs, il va les garder comme RGT, et les autres vont être mis ailleurs. C'est ce que tu as expliqué ce matin sur la discussion Discord. Voilà. Donc j'avais bien compris ça tout à l'heure, Rico et Ange. Ok. Ça va? Tout le monde en forme? Salut Mathieu! Salut Mathieu! Ça m'a empêché de faire grâce au matinée, mais ça va. Alors, moi je vais regarder un petit peu l'état des lieux. Avec le stress. Il rigole, mais... Il va sûrement y avoir peut-être une demande d'invitation au Discord d'un collègue avec qui j'ai bataillé pour qu'il m'intègre
Inivelo, là, donc il se renseigne un petit peu comment ça marche. Et je lui dis que le mieux, c'était de rejoindre le Discord. Donc si vous voyez passer une invitation de Yann David, Je prendrai. Ça serait pas mal, ouais. Je vais me mettre en un bon niveau surface, et pour ceux qui connaissent. Ancien prof de maths. Donc tout ce qui est problème technique, c'est un bon atout, normalement. Il est donc, assez sérieux, pour ceux qui ne connaissent pas, quand vous êtes invité dans plusieurs teams comme ça, vous pouvez choisir pour laquelle vous voulez. Et paradoxalement, la chose, c'est moi qui l'ai mis sur un entraîneur, alors qu'il ne voulait jamais en entendre parler, il y a 10 ans. Non, il y a pas. Alors, d'habitude, vous me voyez rouler sur RGT, mais là, je vais rouler avec ce Superface. Pourquoi ? Parce que j'ai essayé de les motiver. Et que c'est ma deuxième équipe de cœur. Du coup, comme il y a déjà énormément de monde sur RGT. Sur la route, par contre, les jambes, elles voulaient tourner. Et, il a mordu l'hameçon de l'entraîneur et depuis. Il est sur Zwift. Par contre, il n'y a pas que Zwift dans la vie. Et, ouais. Et du coup, ce Surface, vous connaissez peut-être le kit. Attendez, là, on le voit pas bien. C'est le petit bonhomme qui saigne des yeux tellement il se fait souffrir sur un vélo, c'est un très bon esprit. J'essaie de faire un join, hop. Pour ceux qui ne connaissent pas, du coup, c'est une plateforme d'entraînement qui a des. Qui a des. Beaucoup de workouts très bien faits. Et c'est ça qui avait été racheté par Wahoo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wahoo System. 9, 10, on est 10 dans le groupe. 10. Anciennement. Surface. On considérait qu'on va pouvoir faire une. On est haut, parce qu'il y a Benoît Foulon et du coup les workouts sont à la fois très bien faits scientifiquement, on va dire. Et en plus les workouts officiels de base de Surface complète sont extrêmement rigolos. Enfin c'est un type d'humour un peu spécial. Balancer sur une un peu décalé. Ça va sympa ça. Ouais. Mais le temps passe très vite. En même temps c'est ça. Ils ont leur propre running gag etc avec. Je dis ça pour moi, hein, surtout. On peut penser qu'un ça serait dommage que ce soit les plus mauvais qui soient dans les 12 sélectionnés. Non, c'est par niveau. D'ailleurs, pour cette épreuve, pour cette série, je vais me mettre avec une autre équipe. Parce que j'ai essayé de les motiver, du coup. Mais alors, je sais pas si j'ai besoin de quitter le Discord, parce que pour le stream, ça va peut-être plus rigolo. Je pense pas que je sois comment est-ce qu'on appelle ça ? Un danger pour la team RGT. Et celui qui change son profil FTP juste avant, ça va pas le faire changer dans le classement ? Je sais pas comment est-ce qu'ils considèrent les 12 meilleurs. Je sais pas si t'as besoin d'avoir un elo et d'avoir fait des courses avant ou... Je sais pas. Ouais. Du coup, c'est une course au point, pour que tout le monde soit au clair là. Du coup, à chaque arche verte que vous allez voir, il y a des points. Les trois premiers... de chaque équipe rapporte leurs points à l'équipe et puis après ça s'accumule donc vous aurez le classement à gauche en direct. Et si vous faites les 4 5 6 etc vous piquez quand même des points aux autres équipes, vous piquez la place donc les autres équipes feront moins de points, ça ne donnera pas les points à RGT mais ça enlèvera des points aux autres équipes. Donc en gros, c'est tout le monde à fond, du début à la fin. Et on se fait renseigner la ligne à chaque arche. C'est ça. Ah, je pensais que c'était des sprints. En fait, c'est pas des sprints. Il faut se placer, essayer de rester placé. Au moins les trois de l'équipe. Rester groupé le plus devant possible. À chaque point. Oui, mais à chaque fois que tu vois une arche, t'es bien obligé de sprinter. Et non, c'est pas tout seul finalement. Et voilà, il vaut mieux rester groupé le plus possible. Bah, s'il n'y a pas d'adversaire entre nous, ouais, mais sinon, si les adversaires vont sprinter et pas toi, ils vont être devant et nous prendre des points. Alors d'accord, ok. Donc, je comprends le mieux. Ah, mais l'arrivée, c'est la même arrivée que je lis. C'est...
Comment faites-vous? Vous entendez? Non, non, non. Ouais, on t'entend. Ouais. Et il y en a un qui a mis son nom d'équipe dans le nom. Bon, ça va être encore plus compliqué pour les classements, mais je vais le retrouver. Alors, le nom d'équipe, est-ce que c'est UC Voironèse? C'est ça, mais il l'a mis que dans son nom. Il n'a pas. Alors, la plateforme va pas savoir, quoi. Alors, lui, c'est donc quelqu'un. J'ai réussi à le faire venir sur une des vélos. D'ailleurs, je lui dis qu'il n'a pas mis de casque ce matin. Il a quel maillot, tu dis? Vert. Vert et noir? Vert et noir et sans casque. Ok, ouais, bah, c'est sur la première ligne alors. Ouais. Ouais, il est à côté de moi. Donc là, le Fiat. À mon avis, c'est un vieux renard, lui. Allez, John Payne. Un vieux renard accompagné de Renardo. Ouais. Moi, j'ai le pelage qui commence à partir. Arrête, arrête de parler de Renardo. Moi, c'est Bernardo. Ouais. Ouais. Du coup, Joe Martin, c'est l'organisateur, je sais pas si Antoine est là du coup, d'un autre groupe aussi qui se forme, c'est leur gars chez Superfest. Antoine n'est pas là. Je pensais qu'il devait venir, mais... Ah bah si, il va peut-être se connecter, je pense. Ah, il est pas là, effectivement. Je ne le vois pas. Non mais il vient se connecter dans... Je pense. Et d'ailleurs, sur le stream, vous voyez pas? Comment ça se fait que vous voyez pas le... Tu as 17. Voilà, là vous voyez l'overlay là. Vous êtes sûr, c'est que ça se met plus. Bonjour. Bonjour. Salut. Eh ben, allez. Salut. On devrait plutôt être bien représenté. Ah, tu penses? A-t-il une idée pour faire spectateur là? Alors oui. Le spectateur, il marche pas chez moi. T'es bien inscrit à l'événement avec la petite coche en face de l'événement. Ouais. Ouais. Donc bah là, tu cliques sur la ligne de l'événement. Salut Vincent. Sélectionné. Ouais. Et normalement, tu cours sur spectate. Ça suffit. Non, il est pas. Le bouton est pas allumé. Je dirais. Actif. T'es bien dans l'équipe RGT associée à ton compte, ouais, ouais. Profil. Tout à fait, ouais. C'est comme Eric. Il reste 15 secondes. Pour venir sur le stream, ça me prend une vue de plus. Viens voir. D'accord. Ah, tu vois, ça fait comme moi, des fois ça ne met pas. J'aimerais bien comprendre pourquoi. Alors, les équipes. Alors du coup, à qui je vais me retrouver? C'est toujours ça la question. Et là, j'ai fait joindre, là j'ai... Voilà, c'est... Oh, je suis douillé là, j'étais incroyable. Ah bah on est deux Superfest, bah parfait, voilà. Bon bah une team de plus, c'est bien. Jérôme Colisson, Mathieu Drujon, Nicolas Pivoto, Joël Vignon, Mitch, Van Vitt, JP Fournier... Ah bah Eric, tu collabores avec l'ennemi là. Ah merde. J'ai pris de la place de quelqu'un là? Ouais, allez, hein. Oui. Si vous m'enlevez maintenant, c'est bon? Non, c'est trop tard, là. Le pen est fermé, là. Il y a un peu rôle. J'aurais dû me bouger d'équipe, en fait, c'est ma faute. Il y a David. Ouais, mais c'est pas grave. RGT, vous êtes déjà trop, là. Mettez Alexis d'Anselme à la place de mon nom. Le monde et les maillots blancs. Hein. Voilà, il y a d'Anselme. Ouais, il est avec dans l'équipe d'Anselme. Allez, attention, les gars, attention. Allez, bon, bon, faut repérer d'Anselme. Bon, départ, tranquille, je pense, vu la descente. Il y a Roussel aussi. Ouais, il y a un pays sur botte. Oh, voilà, c'est deux les vieux. Merci pour votre polo. Roussel est avec qui, là? Beaucoup de RGT ce soir sur la ligne. Ce matin sur la ligne. À l'avant. Ce soir, tout va bien. Allez, vous, dérange, on va voir. En fait, t'as connu sur la course, mais on s'est splitté, du coup, en différentes équipes.
En fait, je pensais qu'on allait être plus nombreux, on est 21. Oui, il y a beaucoup de RGT, mais c'est ce que je disais depuis... En fait, il y a 12 RGT et 8 autres. Parce que il y a le tour du monde en ce moment, et du coup... Ah, et oui, à 9h, effectivement, je l'ai vu, ouais. Et comme les... Mais même si c'était même pas en face, comme les gens doivent déjà rouler 12 courses en 14 jours, ils viennent pas trop sur les autres événements. C'est surtout une histoire de volonté des grosses équipes. Ça finit mercredi prochain. Avec les plantes ici. Oh, le 100 à 14 km, c'est vrai. C'est comme d'habitude, les grosses équipes n'ont pas beaucoup de volonté de venir sur une vélo. Hein. Produits soldés avec votre carte gratuite IKEA Family. Rendez-vous en magasin. Et... Du coup, les équipes françaises, ils sont venus, mais ils sont venus un par un par un. Ouais. Oh, ça va. Ah, il se met à flotter là. Ah, oh, je suis pas tard. J'ai peur. Mais bon, moi j'ai baissé la pression et je suis en 4 saisons. Allez, le bot il roule à 30. Pas encore chaud. Attention, quand il fait froid, ça attaque plus parce que les mecs ils veulent se réchauffer. Hein. On n'a pas parlé de stratégie. Donc le but de la course, c'est de marquer des points à chaque fois. Pour le coup, RGT, il n'y a pas trop de... C'est bon, ça devrait le faire. Ouais. Le but, c'est quoi? C'est les moins bons, ils s'épuisent d'abord ou... À la stratégie, c'est pas du RGT, puis après on réfléchit. En effet, les moins forts, s'ils peuvent se faire plaisir à essayer de marquer des points... Ouais. Sur les premiers classements, ça peut être sympa. Pour lui dire un peu plus, boss. C'est le problème. Mais Ouais. Du coup, pour le classement de la saison, le nombre de points marqués dans la course ne compte pas. C'est que la place de l'équipe. Ah, désolé, pour moi, j'étais du jeu. Parce que les étapes n'ont pas le même nombre d'arches, donc je ne peux pas faire le nombre de points de l'étape. C'est qui a été éjecté? C'était dans le apparemment. Network, c'est la première fois que ça m'arrive. T'avais un cardio? Ouais, j'ai un cardio. Oui, mais il doit y avoir la détection de... Le trainer un peu bizarre, là. Donc je sais pas s'il était calibré, c'est ça. Dans la descente, comme on n'est pas en prise, ça fait des trucs de cadence farfelue et ça se trouve, ça a éjecté pour ça. Ah. Possible. Ah, c'est la première fois que c'est mon ouais, bizarre. Merde. Attention, ça va bientôt partir. Ça commence à accélérer, ouais. Bah ouais, moi là. Ouais, il a jugé. Ouais. C'est ça. La ligne blanche là que vous voyez, c'est le départ officiel. Allez. Ça va partir. Ouais, ok, il est parti, ça y est. Donc l'avantage, c'est que là, on peut bien se repérer au maillot. Ouais. Bon, faut que je repère le maillot de Borsel. Même maillot que moi, Mathieu. Ouais, mais je connais pas ton maillot. Le maillot espèce. Rouge et noir. Rouge et noir. Ok. Rouge et noir. Non, il est blanc. Avec l'aigle dessus. Oh, c'est bon, on essaie de tromper l'ennemi, là. Ah, ok. Ah du coup la team React ils sont venus à deux, ça c'est bien. Ah lâche. Donc la team React, il y a quatre équipes en fait. C'était Racing. Bon bah Rico, si tu es dans Selm, tout à l'heure, tu peux sortir du groupe. Sinon ils vont entendre la technique. Dans celle, mais à la mort. Vous voyez le stream, hein, de toute façon. Non, vous inquiétez pas, je suis au jeu et puis je suis pas. Ok. Putain, bah ça y est, il est déjà parti. Ah, c'est bon, bon, bah. Je vais faire un tempo. Sans chercher vraiment à rattraper. On va avoir les 25 km grand bout, je pense. Ouais. Ah, il a l'air énervé, là. Il faut entretenir un tempo, on est obligé. Ah, il va marquer tous les points. Ah,
Et Team Louis aussi derrière. Tranquille. Ouais. Je vois que tes chiffres sont encore en orange, donc force encore. On aurait même pu le laisser devant plus longtemps. Je pense que la bosse là, elle va sélectionner. Hein. On prend quel côté? Là, il y a pas de côté là. Ouais. Il y a pas de côté. Ça sera à la fin. À la fin, ouais. On le voit le petit plateau là avant le 6. Avant, exactement, avant le 6. Ah oui, quand tu seras plus lucide et que tu auras 3 secondes pour cliquer. Toto, il y a un sens sur le circuit où c'est évident de prendre à droite. Mais dans le retour, est-ce que c'est à gauche. Toujours la high road. Toujours la high road, d'accord. Regarde, tu peux te mettre. Rien qu'à rester dans la roue, on force. Donc s'il y en a qui veulent se faire plaisir devant en attaquant avant que ça pète, allez-y. Hein. Il n'y a pas de problème à droite, moi je pense. Ça va accélérer naturellement pour ceux qui veulent pas se faire distancer, ça va être dur de sortir. Hein. Oh là, moi je peine dans les roues. Là c'est le plat, donc c'est les roues qui sont plus dans les roues. Allez, il y a Benoît qui y va. Salut, c'est Laurent Antoine, je suis en train de faire un petit peu. Bonjour. Bon, du coup, il suffit d'être deux de votre équipe et vous gardez le kit officiel. C'est le cas là. Pour... la team React, pour ma team, et les autres ils se retrouvent regroupés ensemble. Ça sert à rien de partir sur le plat pour nous, je pense. On peut penser qu'on a... Du coup, pour l'épreuve du jour, c'est rigolo, il va y avoir une vraie compète. Et pour le classement général, vaut mieux, si vous voulez jouer avec votre vraie team, venir à deux, voire trois. France, à partir de 11 990 euros, est à découvrir pendant les jours essentiels du 11 au 15 janvier. Premier film, il en 700 mètres. 600. Tu filmes, Mathieu? Ouais. Ok, ok, donc je passe pas sur le groupe de tête. Je vais te regarder le sprint. Dans 1,2 km le prochain. Eric, accroche.
ça repart. Ah, il range. Allez, il faut me mettre 400. Ah, le mec de la team React est devant. Donc il va à chaque fois marquer plus de points que moi. Dans les teams à droite, il y a RGT et RCT. Je pourrais pas en faire beaucoup. Attention, la bosse de la. Ouais, dans celle, mais il est à 30 mètres. Allez, on lâche. C'est vieux, hein? Ouais, ouais. C'est très vieux. Ah, on est obligé de gérer à chaque sprint. On pourrait exploser sinon. Après, on va pouvoir récupérer après ce sprint un peu. Ouais. Donc celui-là, il risque d'être violent encore plus. Oui. Ah, c'est Christophe qui est content dans notre groupe là. Ouais, c'est moi. Ouais, c'est moi, c'est moi. Accélération d'Antoine de notre équipe. Antoine Lair, nouvelle recrue. Si je suis d'inventer, chaque fois que je suis pas. Avec qui s'y souffre là? Pas grand monde. Thank you.
Et on a 10 points de rage, les gars. Ouais, c'est pas énorme. C'est pas un film. Un match pour les maximums de watts, 1015 pour Dancel, mais 1013 pour 1012 pour Mathieu. Ah, parce que tu peux faire mieux là. Allez-y. Vous voulez que je vous dise que je suis 743. Eh ben, c'est quasiment troisième du coup avec ça. Hein? Et vous êtes tous à 700 derrière. Un de l'équipe FF, il est assez spécial, c'est Yann David, je sais pas si vous connaissez. Non mais... C'est à 300, il arrête pas de se faire lâcher, il arrive pas à dépasser au sprint, il avance pas, mais il est à 300 de moyenne, là, il passe en tête là. Il t'arrête pas. Dernier catalogue Lidl. Eh oui. Oh, je... Allez, petit souplage. Pour répondre, il est sur le Discord. En mode chrono. Toutes les offres de la semaine. Oh, faut vraiment que vous... Il va pouvoir répondre. Il est sur le Discord. Bah, Joël est parti avec lui, donc c'est bon. Yann David. Et qu'est-ce qui paraît assez bizarre? Non, non, c'est pas que c'est bizarre, hein. C'est ça détonne, c'est... C'est un très très bon. C'est un très très bon. Il est en train de s'amuser là. Ouais, mais il fait pas les sprints en tout cas. Non, non, non. Il à chaque sprint. Après, il y a Vincent 8 secondes devant. Et devant après, c'est le groupe. Il a pas mis de casque. Il a pas mis de casque ce matin, il fera pas de sprint. Il a raison. Je suis besoin de souffler hein, de mon côté. Les pulses sont trop. Que les points comptent double à l'arrivée. Non. Attention d'ailleurs, c'est un bon plan de sortir avec lui parce qu'au sprint on sait que tu vas se serrer le classement à gauche aujourd'hui. Là. Non, j'ai 0 watts. Ah, putain, c'est parti 10 secondes, je sais pas. C'est Jérôme qui a 0. Jérôme, c'est revenu tes watts? C'est revenu. T'as mis le grand panneau devant la Pain Cave pour demander à la famille de pas venir avec un téléphone. Jérôme, tu veux qu'on t'attende un peu pour te faire revenir? Ah, là, ça accélère en plus. Ah, ouais, tant pis. Hein. Enfin, Eric, on a aucun intérêt, nous. Ouais. Voilà. Allez, le prochain sprint est dans 3 km et demi. On a un peu de temps de repos. Mmh.
Benoît, voyez mon pouvoir sur les tirs, hein. Attention, double culture, descente, et après c'est le point intérieur du double culture. Alors là, il faut aller vite, dès le début. Ouais, les kilomètres des fils, ça fait plaisir. 21 minutes, 14 km. Plus de 40 de moyenne. C'est bien que ça se calme. Là, en plus, on a vent dans le dos, donc ça va pas ralentir. Mais c'est plus facile. On a dépassé la moitié. On a fait 3 sprints. Il en reste 4. Bon, pour le classement d'équipe, c'est un peu mort parce que le mec qui est avec moi le fait en freeride. Bon, c'est le jeu, hein. Au moins, il y aura une équipe de plus. On sera même troisième d'ailleurs parce que notre score du coup va pas être divisé alors que les Free Wheel Falcons vont être divisés. Il y a plusieurs équipes dedans. Bonne strat du coup de Team Louis qui est venu aussi compléter son équipe. Alors pas de FFZ, pas de bike CFR, pas de foudre, c'est bien dommage. Et les étrangers m'ont promis que dans deux semaines ils viendraient. Ils s'étaient engagés sur le tour du monde. Les Danois, etc. Du coup dans les étrangers il y a 3R, OTR, West London. Moonriders. On pourrait rejeter pour l'instant meilleure équipe de loin. Va falloir leur trouver de la compétition. Oui. Chez les Français ou chez les étrangers. Il n'y a pas de féminine non plus pour l'instant. Il y a peu de monde en général sur les niveaux, donc les féminines, ça se comprend. Elles roulent là où il y a du monde. Comme avec la table de rangement blanche 40 cm, désormais à 29,99€ au lieu de 34,99€. Tous nos prix baissés en magasin sur ika.fr. On continue comme ça, on fait deux tours à chacun. Chez deux.
Allez, sur 8 secondes, on ah. Oh, écoute. Ah non, c'est pas Mathieu, c'est Anne-Claire. Tu vas après, Nico? Ouais, j'y vais. Allez, comme un chrono, tu me dis quand tu t'écartes. Ouais. Allez, 5 secondes en cours. J'ai pas mal. Bah, je relâche. Ah, oh, c'est irrégulier. Dernier oh, malheur. Allez. Allez, redescend. Bon, en fait, c'est bon. Merci, Joël. Ah, bien joué, David. Ah, la vache. Oui. Oh, t'as la David. Une belle bataille devant en tout cas. Est-ce que t'es prêt? T'as bien joué. Ouais, t'as bien joué, t'arrives au téléphone, bien joué, manœuvre. À droite ou à gauche, monsieur? Gauche. À 20 secondes devant, il n'y a pas grand chose, mais ils sont plus forts. On essaye, hein. Ouais. Vous voyez le cœur, de toute façon. Ouais, c'est serré, on est deux égales. Ouais, c'est serré. Prochain an, 1,7 km. Ouais, ils ont 2 km d'avance. Allez, je fais une sur le plat et puis on passe à la montée au vélodrome. Tu fais que les quais, Jérôme ? Non, mais là, c'est le boulot qui m'appelle. Là, je vais devoir vous quitter pour un petit dépannage. Ah merde.
Bon, nous, je vais pas faire défaut en termes de points. Ça va. Du coup, au moins le classement il sera scellé. Ils peuvent pas faire la ligne d'arrivée. On aura direct. C'est bon à gauche. Les classements. Salut Christophe. Dur la course, je trouve. Ah, je suis à bloc. Ils n'ont pas rigolé devant. J'y arrive pas, rassure. Ah, j'ai vraiment essayé. J'ai pété là où j'ai dû. J'aurais dû péter. J'aurais pas pu plus. Allez, pour le battre, lui, celui qui est avec nous. Il ne faut pas que je passe. Ça va, j'ai pareil. Je vais monter, Mathieu. Ouais. Bon les gars, bonne continuation, je suis fort. Je suis fort pour le format de course, c'est sympa en tout cas. Ok, Jérôme. Allez, à plus tard, mon pote. Bonne journée, Jérôme. Salut, à plus. Salut, Jérôme. Salut, Jérôme. Au groupe à deux devant. Ouais, on le voit. Ils ont 4 secondes d'avance sur un groupe de 3. Non, non, mais Christophe, c'est parce qu'il y a... Il y a le tour du monde. Il y a 12 épreuves en 14 jours. Les gens n'ont pas le temps de faire des autres épreuves. Et c'est encore comme ça pendant une semaine et demie. Et ils monopolisent tout le monde, là. Ah. Bon bah, on n'a plus aucune chance. J'étais visé, comme j'ai envie de faire un peu de ces points. Il a pété l'entraîneur là. À gauche, Christophe, sur la high road. Ça fait pareil, c'est pratique. Ah, ouais. Familial au look SUV et profite de la place. Ah! Ah! Découvrez d'assiette. Allez, Joël, tu reviens sur moi. Ouais, si on se sépare, on s'attaque pas. Racine, tu le connais? Vous le connaissez? Pas du tout. Ah, bah attends, hop. Je vais le mettre à droite aussi. Ah, RGT n'a pas gagné. Bah écoute, c'est vraiment. Alexis et le mec avec qui il était. Bon.
Oh, on se fait chier pour rien, y'a pas de cœur. Tu me piques des points à moi, mais je sais pas si c'est vraiment utile non plus. Ouais, des points, mais je l'ai pas mis. Ouais. Ça, c'est les trois premiers. C'est pas les points. Ouais, du coup, comme je suis premier de mon équipe, tu piques des points, mais l'intérêt est négligeable. Tout dans votre équipe en plus. Qu'est-ce qu'il y a, pardon ? Peut-être que deux dans votre équipe. Oui, oui. Et le mec, il le fait en freeride, histoire que la team pompe. Ce qui est pas con, vu que du coup. On sera devant les coureurs de la team FF individuel. Ça change rien, hein. Que je fasse devant toi ou derrière. Au classement général, ça sera pareil. On peut se tirer la bourre dans la montée si tu veux, Christophe. Mais je donne pas cher de ma peau. Victoire de Anselme. Il est plus fort que moi. Ah, il a gagné. Attention. Allez, sur 300 mètres, tu peux le repasser. Allez. Ah, allez, lâche. En tout cas, je suis reposé. Je le vois à quelle vitesse le cœur monte. Ah, je peux pas. Je veux. Il a gris 3 mètres. Monter à 700 watts à la fin du sprint. Là, on va bien jouer. Ça y est, tiens. Alors. Allez, le cadre dans la température. Ça t'en fait tout. Après, je vais mettre sur mon CV. J'ai fini le match, c'est bon. Mathieu, tu t'es arrêté pisser ou quoi? Ah la vache. Ah, le cœur ne redescend pas. Hein. 188 pulses. C'est hallucinant. Les boots et les sprints. Là, ça. Franchement, ça va être plaisir. Deux fois plus de watts maximales que Yann David, mais ça dépend quel équipement il a. Si t'as un wheelon et tout ça aussi, ça peut changer. Bah, il est parti en échappée et on l'a pas revu. C'est un style de rouleur, mais c'est vrai qu'il a dépassé les 530. Parce que
Il y a un moment où il partait en échappée, j'ai plus savoir où ça allait. J'arrive à le suivre assez facilement. Par contre, à le dire, quoi, il est parti, moi j'étais dans le dur, j'ai pas pu prendre ça où, et puis là, c'était fini. C'est passé dans la catégorie de ceux qui disent... Je peux se mettre mon nom en... Non, pas, j'ai pas compris. J'ai pas compris ce qu'il demande dans le chat. Pendant les jours essentiels du 11 janvier, découvrez Dacia Jogger à partir de 1590. Ah, ok. Bon. Il y a pas de bot ici, Yann. En fait, on a fait des efforts violents qui à la fin, ils payent. Ouais. Et encore, comme dit Roche, moi perso, j'ai pas un truc le plus gros thing, c'est 700 watts. C'est clairement pas énorme, mais bon. Ah non, mais moi c'est pareil, je crois que je suis au maximum, je suis à 40. Merci Mathieu. Il n'y a pas de bot ici. C'est que quand j'étais dans les boss, par contre, je m'en mets plus de 500 watts, donc là ça m'a accusé aussi, tu vois. C'est ça. Heureusement qu'il y avait la partie plate à la fin, là. Au milieu, je veux dire. Ça nous a permis quand même de récupérer un petit peu. Ouais, non, si je serais arrivé avec vous, je pense à la fin. J'aurais pu tenir jusqu'à 300-400 mètres avec toi, je pense. Parce que la boxe, j'y arrive assez bien. Le 4%, ça m'est bien favorable. Mais j'ai pas réussi, quoi. Bah, c'est plus court que les classiques du jeudi, mais apparemment, ça laisse des traces quand même, là. Ah, c'est plus violent, en fait. La classique du jeudi, les bosses elles se montent vite, mais on fait pas de sprint, tu sais, pendant la course. Ouais, c'est très rare. Juste les bosses, ouais, c'est ça. Tandis que là, tu fais des efforts violents. Après, il y a une descente, il y a deux sprints côte à côte deux fois. Et là, c'est dur. Hein. Tu laisses en fait. La cartouchière se vide au fur et à mesure, et à la fin, tu sens quand même qu'elle est. Eh les gars, je viens d'être exclu de la course à 100 mètres de la ligne. C'est pas vrai. Performance verification. You have been removed from this event due to performance verification criteria. Unsure of fair competition for all riders. Please make sure that you... On n'est plus qu'à 600 points. Comment? On n'est plus qu'à 600 points. Ouais. Mais non, ça change rien, non? Si. Parce que... Mais les points que t'as marqué pendant la course sont... Ça change rien, vous serez deuxième. Mais je peux lever les bras, les gars, on a gagné, hein. Attends, Jérôme, quand il a des points... Bien joué, Christophe. Et là, comme tu as éliminé, on a perdu tes points. Sérieux? Ça change pas le classement, vous étiez deuxième, vous resterez deuxième. Et en quel honneur tu te fais sortir, là? Eh ben, vu, je suppose que c'est à cause des problèmes de cadre, parce que comme depuis tout à l'heure... j'ai un peu gerbé, c'est pour ça que j'étais arrêté sur le bord de la route. J'aurais pas dû prendre de petit déj avant. J'aurais pensé à un dérailleur cassé, moi, tu vois, quand je t'ai doublé. Oh, en tout cas, bon, il me semblait bien. Bah, pendant la course, je finissais en roue libre. 76 de TSS en 45 minutes. Les jambes sont appuyées, et quand tu fais ça avec un néo, là, 250 watts de cadence, elle est complètement moyenne normalisée. Il n'arrive pas à détecter les points noirs et les points durs, et du coup, il peut pas en déduire la cadence. À cause de on va rester avec Mathieu pour le débrief. Alors, merci pour ceux qui ont vu la vidéo. Je vais poster les classements sur le Discord et le Facebook. C'est ce que ça va être. Donc, le classement, ça va être voilà. La Team FF, qui est un composite de coureurs individuels. Va faire premier. Donc ils vont faire 200 points. On va donner 100 points à chaque coureur. Et après, les teams officiels vont garder leurs points. Normal, c'est le jeu. En fait, on n'a pas envie de faire des teams de 1, donc c'est comme ça qu'on a trouvé le plus fair. Comme ça, les gens de la Team FF, ils roulent quand même pour leur équipe. Avec 500 watts. Et du coup, dans l'ordre, on a RGT qui va faire deuxième, React qui va faire troisième. Et puis la Team Superfest qui va faire quatrième. Oui, merci, bonne soirée. En associant. À la prochaine. En autre chose. Salut. Cadence farfelue, mais.